Regardez comment ils sont tous misérables. Regardez comment ils sont tous misérables. Regardez comment ils sont tous misérables. En fait, voilà là, c'est pour vous montrer le vrai niveau de la musique camerounaise. Un groupuscule d'artistes en fin de carrière, en panne de carrière, qui décident de venir vouloir se réveiller, réveiller leur triste carrière derrière un aveugle, malvoyant. Qu'ils savent tous qu'il est là depuis, mais personne ne le gère. Regardez comment ils font pitié. Attends, vous êtes courageux, hein? Moi, je sais que impossible n'est pas camerounais, mais je ne m'attendais pas à vous voir descendre aussi bas. Mais vous êtes tellement grand, non? Laissez donc ce que Debordeaux a fait. Allez réveiller d'autres artistes. Il y a plusieurs artistes. Ne profitez pas du buzz que Debordeaux et Piffo ont créé. Ne profitez pas du buzz que Debordeaux et Piffo ont créé. En plus, moi, je ne suis pas venu faire un buzz. Je suis venu restituer une vérité. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer. Et maintenant, comme vous, les fans camerounais, comme les jeunes camerounais, stupides que vous êtes, vous n'allez faire aucune analyse de ce qui se passe. Regardez bien les gens qui savent que Prince Aimé, là, depuis, souffre. Personne n'a daigné l'aider. Personne n'a pensé qu'on peut faire quelque chose pour lui depuis. À part Longueur Longueur, j'insiste encore sur le nom. Ça fait la deuxième fois que je prononce le nom de Longueur Longueur et que je salue son geste. Ils n'ont même pas honte. Hein. Ils n'ont même pas honte. Un peuple de misérables. Ils n'ont même pas honte. Tous sont des haineux. Je dis tous sont des haineux. Je suis venu restituer une vérité. Ils se sont tous jetés sur moi comme des termites. Mais à la fin, c'est pour que les grosses icônes de leur pays sortent là et disent que, oh, patrimoine national. Patrimoine national Mbimoulé. Patrimoine national Mbimoulé. Depuis que Prince Aimé est là, qu'est-ce que vous avez fait pour lui? Combien sont même au courant de son existence encore? Mais vous n'avez pas honte. C'est misérable ce que vous faites. Pitié pour vous-même. On sait que vous êtes en panne. Vous êtes en panne de succès. On sait que le succès est fini. On sait que là, vous cherchez, même s'il faut même aller coucher avec un cadavre au cimetière, vous allez le faire. Mais là, mais attends un peu. Attends un peu. C'est misérable. Oh, puis faut-tu un génie. Puis faut-tu un génie. Puis faut-tu un génie. Puis faut-tu un génie. Merci Seigneur pour ma sagesse. Pour la sagesse que tu as donnée à ton fils. Car, quel que soit le nombre, qu'il soit 1000, 2000, 10 000 contre moi, Seigneur, c'est la vérité que l'on fera. Et c'est la vérité fera de moi l'homme que j'ai toujours été. Toujours combattu, mais jamais abattu. Parce que papa est là. Papa, regarde ce que je fais. Vous n'avez même pas honte. Ça fait pitié. Maintenant, si Prince Aimé tente d'accepter le featuring, là, il sait que sa carrière est alors descendue aux enfers. C'est venu tuer Prince Aimé là. Ce qu'ils veulent faire là, c'est venu détruire Prince Aimé. Parce que, un, vous tous là mélangez, vous n'avez pas l'autorité de Debordeaux. Vous tous mélangez qui voulez faire le featuring là, vous n'avez pas l'autorité de Debordeaux. Debordeaux est le seul qui peut faire le succès de la chanson là, le remix de la chanson là. Jusqu'à reverser les droits d'auteur à Prince Aimé. Vous êtes au même niveau que Prince Aimé, vous êtes en fin de carrière. Ça ne donne plus. Ça ne donne plus, il faut avouer, ça ne donne plus. Acceptez. On va même cacher la vérité, pourquoi? Et par rapport à qui même? Par rapport à qui? Vos carrières ne donnent plus. Ne venez pas vous réveiller derrière un aveugle. Qu'un Ivoirien qui a eu l'onction divine de faire un freestyle il y a quelques années en arrière. L'homme noir. Voilà donc le vrai. Et bizarrement, les Camerounais, comme ils sont stupides, ils sont tombés dans le jeu. Personne n'a vu le groupuscule des artistes là qui veulent réveiller la carrière de Prince Aimé. Hein? Mais comme les Camerounais sont stupides, personne n'analyse. Personne n'analyse, non. On est concentré à dénigrer Piffo. On est concentré à dénigrer Piffo. Voilà pourquoi je suis toujours plus intelligent que vous. C'est la raison pour laquelle je vous dépasse. Que je me dis que je vous dépasse. Et ça, c'est une preuve. Et personne n'en parle. Hein? Et personne n'en parle. Là, voilà, ils veulent tuer donc Prince Aimé. Maintenant, si Prince Aimé fait l'erreur d'accepter le featuring, là, il a détruit sa carrière. Parce que Debordeaux allait le réveiller. Et si vous suivez bien,
Je n'ai jamais interdit. Je n'ai jamais été contre. Hein? Le remix de Debordeaux. Je suis venu réclamer une vérité. Que Prince M accepte qu'il n'est pas l'auteur de la chanson. C'est mon combat là-bas. Mais conspirer pour son malheur, Dieu au ciel, là, il sait que non, c'est impossible. Mais voilà ceux qui conspirent pour son malheur. Ils sont toujours comme ça. Et c'est comme ça que Ken Fak avait eu le succès. Il s'est caché la copier, coller la petite. Bam, il allait faire sa chose. Ça a marché. Bon, regardez comment ils vont se verser sur moi maintenant comme les termites. Observez ce qui va se passer. On vous demande d'aller à l'école, vous n'allez pas à l'école. C'est pourquoi je suis allé à l'école. Pour être plus intelligent que vous. Et on va voir la fin de l'histoire. Qui aura raison? Qui aura gain de cause? Retenez ceci.